allons passer, alors il y a beaucoup été question de santé mentale, nous allons passer désormais à une communication qui concerne plus particulièrement cet aspect-là. Nous allons passer la parole à Fabrice Bourlès, qui a un parcours aussi bien du côté de la philosophie que de la psychanalyse, et qui donc représente et est aussi un représentant associatif par le biais de l'association PsyGay. Voilà. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc ma communication s'appelle « Soigner la psyché par le genre ?» point d'interrogation. J'écris un texte pour aller vite. Ma rencontre avec ce que l'on pourrait appeler l'archipel des théories du genre, archipel baigné de mouvements militants houleux, où l'on vogue de revendications idéologiques et sociales en déconstruction des évidences biologiques, sexuelles, naturelles ou familiales, archipel où s'étendent de nombreux courants de pensée, des plages théoriques où les eaux troubles du langage embrassent les sables chauds de la biopolitique, cette rencontre avec un tel archipel m'a convaincu de la nécessité de faire son coming out pour parvenir à mener sa barque, tant intellectuelle que personnelle, quand on le voit dans des mers si bouillonnantes. Selon les théories queer, la sortie du placard constitue un espace performatif de contradiction. Le fait de savoir ou de ne pas savoir ne renseigne pas seulement sur le statut de la personne concernée par ce trope langagier, cela dit bien sûr quelque chose sur celui ou celle qui se désigne comme homosexuel, mais cela dit aussi quelque chose sur l'incidence des actes de langage en général, sur ce que parler veut dire, et sur la capacité de faire avec le dire. Faire son coming out, donc, ce n'est pas seulement revendiquer une identité. C'est un moyen d'inquiéter les présupposés hétéronormatifs à l'œuvre dans nos sociétés. Une sortie au grand jour, sans cesse à recommencer, pour déstabiliser l'ordre, la grammaire, les structures et les positions d'énonciation. Dire d'où l'on énonce éclaire ce que l'on dénonce. Donc oui, mieux vaut faire son coming out d'emblée. Je suis aussi psychanalyste. Depuis longtemps maintenant, je fréquente les salons de cette vieille centenaire qui, drapée dans son silence, a pour bon nombre d'entre nous souvent pris les traits d'une triste mine aigrie, d'une féministe manquée, d'une défenseuse de l'ordre symbolique, d'une acharnée du complexe d'Édipe et de sa sempiternelle triangularisation straight du désir, celui qu'actualiserait l'inévitable cellule papa, maman, bébé. Voire pire, la psychanalyse a souvent été synonyme de juge en bonne conduite et en moralité, docteur S respectabilité, condamnant avec superbe et condescendance d'un diagnostic différentiel nos amours, nos modes de vie, nos styles de sexualité. Trop longtemps, la structure de perversion a été utilisée pour éradiquer les peurs et les doutes que les minorités LGBTQ pouvaient inspirer aux, pour le dire avec Monique Wittig, trafiqueurs d'inconscient. Oui, les héritiers et les héritières de Freud nous ont souvent blessés. Elles et ils ont souvent manqué de courage devant la radicalité même de leur découverte, l'inconscient et la libido, la ruine du moi, la plasticité de l'objet de la pulsion et la pulsion de mort sont autant de concepts qui ont souvent été mis au service d'une stigmatisation de ce que nous sommes, à la place de démontrer, comme ils le pourraient, la construction de nos identités de genre, les différents nœuds langagiers, historiques, sociaux, autour desquels s'articulent, toujours au pluriel, nos sexualités, nos amours, nos angoisses et nos vies psychiques. Le dispositif analytique, tant que régi par l'efficience profonde et universelle, je cite Freud, de la loi de l'Édipe, corrobore à la fois l'homophobie et l'hétéronormativité à l'œuvre dans la société, ce qui l'empêche sans doute d'atteindre un au-delà de la différence des sexes. Édipienne, homophobe, hétéronormative,
accrochée à une représentation binaire de la sexualité, la psychanalyse raterait les sujets dont les identités, les pratiques, les actes, voire même les corps, ne se conforment plus aux attentes petites bourgeoises de la Vienne du XXe siècle. Autrement dit, ce que la psychanalyse raterait, c'est nous. En effet, le travail de nos communautés n'a-t-il pas surtout consisté à faire évoluer les mentalités, à élargir le champ de ce qui peut être entendu comme un mode de vie possible, soit faire valoir la banalité de nos jouissances, nos manières de nous donner du plaisir, de tomber amoureux, de nous aimer, de nous trahir, de nous séparer et de nous retrouver, de souffrir, de pleurer comme de rire, valent bien celles du monde hétérosexuel. Et d'un point de vue théorique, ce combat pour pouvoir vivre nos différences dans l'indifférence n'était-il pas un combat en partie à mener aussi contre les doctrines et les déclarations publiques au nom de l'universel anthropologique, c'est-à-dire un combat contre certains pieux fanatiques des salons de ma vieille dame psychanalyse. Donc, à l'heure du triomphe des thérapies cognitivo-comportementalistes, triomphe des coachings, mais aussi des antipsychotiques, des antidépresseurs et, peut-être plus grave, des sismothérapies, ne vaut-il pas mieux abandonner définitivement la terre ferme et aride du cabinet et de sa libre association pour mettre les voiles vers des routes plus efficaces, plus rapides, plus transparentes, plus statistiques et surtout plus à même d'assurer la santé mentale. Plus simplement, ne vaut-il pas mieux aujourd'hui soigner la psyché par le genre ? En tout cas, on pourrait effectivement faire consister la tension qui existe depuis près de 50 ans maintenant entre la psychanalyse et les questions de genre et de sexualité en termes de combat. On pourrait compter les points, les rounds, les victoires, les défaites, et la psychanalyse ne serait peut-être pas loin d'être déclarée chaos. Alors, pourquoi diable encore fréquenter les salons conservateurs de cette vieille agonisante ? Il nous reste 5 minutes. C'est parfait. Le silence de l'ultracentenaire affable n'est-il seulement que le voile d'une profonde intolérance, ou peut-il plutôt s'entendre comme le lieu d'un autre rapport au langage ? Peut-être nous faut-il envisager ce combat entre psychanalyse et théorie du genre sous un jour nouveau. À en croire ma clinique, à en croire les récits de vie des patientes qui viennent me rencontrer parce qu'ils veulent s'adresser à un psy safe, pareil match de boxe ne peut fonctionner qu'avec 2 gagnants ou 2 perdants. C'est en tout cas la position qui est la mienne. Si l'archipel des théories du genre est contre la psychanalyse, alors il est tout contre, comme dans une étreinte ou dans une embrassade. En effet, même celles et ceux qui sont le plus avancés dans leur parcours militant, dans leur représentation politique, dans leur engagement communautaire, même les plus affranchis de l'hétéronormativité, même les plus assumés d'entre nous, continuent d'avoir affaire à un point de souffrance, un noyau de douleur. Elles et ils continuent, je crois, d'achopper sur la difficulté d'être. Je ne souhaite pas démontrer que les griefs antipsychanalytiques ratent leur cible. Je pense qu'ils visent droit dans le mille. Mais il me semble important de souligner que par les critiques répétées de la psychanalyse, les théoriciens du genre nous montrent aussi l'impossibilité de faire l'impasse sur l'inconscient tel que Freud a pu le formuler. Dans les travaux critiques issus des théories du genre, il y a en somme une invitation pour nous, les praticiens de l'inconscient, à relire et à travailler Freud contre lui-même afin de démontrer qu'il était bel et bien gay-friendly. La psychanalyse, en prenant acte de ses critiques, en modulant son écoute, bref, en revoyant ses préjugés, pourrait et continuer à assumer la spécificité qui est la sienne et se montrer explicitement ouverte aux minorités que nous représentons. Pour ce faire, il faut d'abord rappeler qu'à sa naissance, la pensée freudienne était perçue comme révolutionnaire et subversive. Sa ruine de la conscience, son insistance sur le sexuel s'avérait insupportable. Et en 1935, Freud décrire à la mère d'un jeune homosexuel « L'homosexualité n'est certainement pas un avantage, mais elle n'est pas honteuse, perverse ou dégradante. Elle ne peut être classifiée comme une maladie. Nous la considérons comme une variation de la fonction sexuelle. »
30 ans plus tôt déjà, dans les trois essais sur la théorie sexuelle, le père de la psychanalyse écrit « L'intérêt sexuel exclusif de l'homme pour la femme est aussi un problème qui requiert une explication et non pas quelque chose qu'il va de soi. » En réponse à tout soupçon d'homophobie, voici Freud qui questionne l'hétérosexualité au même titre que l'homosexualité. Chaque sujet reste donc aux prises avec des variations de la fonction sexuelle. La pulsion n'a pas de qualité en elle-même, donc pas d'orientation autre que la recherche de sa satisfaction. Ailleurs, Freud n'hésite pas à affirmer que la perversion est quelque chose que tous les hommes ont en partage. C'est donc du couplage impossible entre nos corps et le langage que Freud a déduit la pulsion, qui, à la place d'une évidence biologique, fait surgir l'énigme du sexuel et ses infinies variations. Plutôt qu'un usage strict des catégories diagnostiques, Freud nous enjoint alors à entendre les mots dans leur vaine tentative de cerner, encore et toujours, ce qui fait achopper le sujet dans sa rencontre avec l'autre. Homo, hétéro, queer, trans, bi, asexuel, tout un chacun, nous avons affaire à l'impossibilité que cela s'emboîte, que cela marche, que cela fonctionne. Ça rate. Séance après séance, rencontre après rencontre, il s'agit dans mon travail de renouer avec le tranchant d'une telle découverte. Dans ces conditions, la psychanalyse, post-freudienne et post-théorie du genre aussi, ne pourra simplement répondre par l'affirmative à la question posée par notre session. Peut-on vivre en bonne santé physique et mentale dans une société hétéronormative et sérophobe? Non. Consciente de la nécessité des luttes à mener pour affirmer une clinique radicalement ouverte aux diversités, la psychanalyse refuse cependant toute orthopédie de la parole et du moi. Son pari est le suivant. Il est aussi désespéré que joyeux. Aucun sujet ne trouvera jamais de discours en mesure de lui convenir parfaitement. Cette inadéquation fondamentale entre nos corps et les mots est le moteur même de la démarche psychanalytique. Pas de sublimation sans ratage, pas de cité idéale où triompherait le bonheur et la bonne santé. Si l'on peut soigner la psyché par le genre, la psychanalyse, elle, s'attache à faire avec l'incurable, avec le noyau dur qui vient signer la singularité du désir de chaque sujet et qui l'empêche de marcher au pas cadencé des exigences de la biopolitique contemporaine. Gageons que la vieillarde a encore de quoi longtemps valser devant elle. Merci. Allez-y, vous faites très bien. Ok. On va s'arranger comme ça. Merci beaucoup pour cette présentation et merci d'avoir respecté aussi les délais. C'est d'ailleurs avec un timing impeccable. C'était très bien. Donc nous allons passer la parole désormais donc à Bertrand Breckville, qui est de Médecins du Monde France et responsable du Desk Afrique, qui vient nous parler de l'expérience qui est la sienne, et l'expérience du Médecins du Monde, de son organisation, en Ouganda. Donc un pays où, pour le coup, quand on parle d'hétéronormalité dans nos pays, là, on est vraiment dans une situation d'homophobie très virulente et qui s'exprime et qui a un très fort soutien social et parfois politique également. Donc votre intervention s'intitule « Promouvoir des services de santé sexuelle auprès des gays, HSH et autres LGBT dans un contexte de forte homophobie, l'expérience de Médecins du Monde en Ouganda ». Et je vous cède la parole. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais donc vous parler de l'expérience de Médecins du Monde en Ouganda. J'aurai besoin de récupérer la petite télécommande, s'il vous plaît. Avant d'entrer dans le détail du projet en Ouganda, peut-être quelques mots rapides de présentation de Médecins du Monde. Médecins du Monde, ONG médicale de terrain, qui, forte de cette action de soins sur le terrain, est en mesure de témoigner et d'élaborer des actions de plaidoyer pour alerter les pouvoirs nationaux et internationaux. Médecins du Monde inscrit également ses actions dans une logique de transformation sociale.
Donc, à partir de ces trois principes d'action, nous retrouvons cinq grandes thématiques opérationnelles chez Médecins du Monde. La santé sexuelle et reproductive, la question de l'accès aux droits et à la santé dans le cadre des migrations, la réponse aux urgences et aux crises, la question des environnements nocifs pour la santé et la réduction des risques. Et c'est dans le giron de la réduction des risques qu'est mis en œuvre le projet de Médecins du Monde en Ouganda. Alors, sur la réduction des risques proprement dite, il nous a semblé utile de rappeler que Médecins du Monde a un historique conséquent dans la lutte contre le VIH-SIDA, qui remonte aux années 1980, avec avant l'heure la mise en place, par exemple, des premiers centres de dépistage anonymes et gratuits et des projets pilotes tels que la mise à disposition de matériel stérile pour les personnes usagères de drogue. Le tout en réponse à ce que Médecins du Monde percevait à l'époque comme étant une urgence humanitaire. La démarche de réduction des risques chez Médecins du Monde, c'est résolument une démarche de promotion de la santé par l'accès aux soins et par l'évolution du droit. Donc, démarche de promotion de la santé en direction des différentes populations clés. Cette démarche s'appuie sur un constat que le droit de ces personnes à accéder à des services à la fois de qualité et adaptés à leurs besoins est trop souvent bafoué, voire refusé, ces personnes étant stigmatisées, discriminées pour ce qu'elles sont et ou ce qu'elles font. En termes de réponse dans le cadre de nos projets de réduction des risques, nous retrouvons quelques incontournables. Tout d'abord, une forte assise communautaire. Ensuite, une volonté de faire évoluer le droit pour l'amélioration du statut légal et social des personnes. Et enfin, une logique de renforcement des capacités pour permettre à ces personnes et à leur communauté de devenir elles-mêmes actrices de changement social. Alors, j'en viens à l'Ouganda, plus spécifiquement. Alors, tout d'abord, quelques mots sur le contexte en Ouganda, contexte fortement marqué par l'homophobie. L'homosexualité est illégale en Ouganda. Nous sommes toujours sur des lois qui datent de l'époque coloniale britannique. Les faits notoires au cours de ces dernières années, ce sont ces tentatives répétées de durcissement de la législation anti-homosexuelle, et ce, au moins depuis 2009, avec entre 2009 et 2013, quatre longues années de débats parlementaires très vifs, très virulents, parfois violents, autour de ce qui a été appelé l'Anti-Homosexuality Act et qui prévoyait notamment le durcissement des peines de prison. La toute première version du projet de loi prévoyait même la peine de mort dans certains cas. Et autre fait notoire autour de ce projet de loi, c'était l'introduction du concept d'homosexualité aggravée. Ainsi, la séropositivité au VIH aurait constitué une circonstance aggravante de l'homosexualité. Et c'est ce point précis qui a constitué le point de départ des réflexions au sein de Médecins du Monde sur la question ougandaise. Nous nous sommes dit, nous sommes une ONG médicale, nous ne pouvons pas accepter le fait qu'être porteur d'une maladie puisse être criminalisé. Alors, fort heureusement, le projet de loi qui... Fort heureusement, le projet de loi qui avait été voté par le Parlement fin 2013 a été annulé par la Cour constitutionnelle ougandaise à la fin de l'année, durant l'été 2014. La Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée sur le fond, mais a retoqué la loi pour un vice de procédure au moment du vote du Parlement. Un problème de quorum, visiblement, au moment du vote. Donc la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée sur le fond, mais uniquement sur la forme, ce qui fait craindre à certains observateurs la possibilité qu'un projet de loi similaire revienne dans les prochaines années dans les débats en Ouganda. Quoi qu'il en soit, ces quatre années de débats parlementaires ont un petit peu hystérisé les débats et ont contribué à renforcer une homophobie très présente, homophobie véhiculée par des politiciens ougandais, par des médias ougandais, mais également véhiculée, il faut le signaler, par l'émission évangéliste nord-américaine, très présente en Ouganda et qui sont impliquées dans un prosélytisme très actif et très virulent.
une homophobie qui aujourd'hui se manifeste de différentes manières, par de la stigmatisation, par de la discrimination, notamment discrimination dans l'accès aux soins. Alors certes, l'enquête commence à dater un petit peu, mais la Crane Survey de 2010 reste une référence, les chiffres étant rares sur le sujet en Ouganda. Et la Crane Survey de 2010 rapporte que plus d'un HSH sur deux de Kampala rapporte un sentiment de stigmatisation lors de consultations VIH ou de consultations de santé sexuelle dans les structures publiques de santé. Sentiment de stigmatisation, expérience de stigmatisation, couplée au fait qu'il y a peu ou pas de structures dédiées adaptées aux besoins spécifiques des personnes LGBT, du fait de politiques nationales elles-mêmes inadaptées. Tout cela entraîne un très faible accès aux services VIH et aux services de santé sexuelle pour les personnes LGBT, avec les conséquences évidentes en termes de santé publique. En plus de cette stigmatisation et de cette discrimination bien présente, l'homophobie prend souvent une forme violente en Ouganda, violence physique mais également violence sexuelle, notamment à l'encontre des lesbiennes qui sont victimes de viols dits correctifs par leurs auteurs. Difficile d'avoir des chiffres précis sur ce phénomène, mais de toute évidence, il y a un sous-rapportage des violences physiques et sexuelles dont sont victimes les LGBT. Il y a un décalage flagrant entre les témoignages qui peuvent nous remonter de la communauté, des organisations communautaires, et en regard de ça, du très faible nombre de cas de violence effectivement pris en charge dans les structures de santé. C'est donc dans ce contexte particulier et hostile que Médecins du Monde a développé en 2015, depuis 2015, un partenariat avec une organisation ougandaise, MARPI, Most At-Risk Populations Initiative. Historiquement, MARPI a été un programme du ministère de la Santé qui s'est progressivement autonomisé pour devenir une organisation à part entière, mais qui a su garder des liens très forts avec le ministère de la Santé. Et depuis 2009, MARPI gère une clinique LGBT friendly qui est située dans l'enceinte même de l'hôpital Mulago, qui est l'hôpital national de référence, donc le principal hôpital à Kampala, donc une clinique de soins VIH et de santé sexuelle dédiée aux personnes LGBT et clairement connue comme telle par la communauté LGBT de Kampala. Comment MARPI a-t-il pu réussir ce qui peut s'apparenter à un tour de force vu le contexte très spécifique en Ouganda? Tout d'abord, MARPI a su construire des relations de confiance avec le ministère de la Santé et le Programme national de lutte contre le VIH-SIDA. Préciser que ces deux entités sont bien conscientes des enjeux de santé publique liée à la santé des personnes LGBT. Donc il y a, on va dire, un décalage entre l'homophobie officielle affichée par certains éléments du gouvernement et en face de ça, un ministère de la Santé plutôt bienveillant. Élément important dans le montage du projet de MARPI, c'est la forte dynamique qui a été créée avec tout un tissu d'associations communautaires de petite taille, très bien ancrées à Kampala, sur lesquelles MARPI peut s'appuyer pour la diffusion de messages de prévention, pour le recrutement de patients, pour le référencement et pour le suivi de patients sous ARV. Et donc, à l'intérieur de cette clinique, MARPI fournit tout l'attirail de soins classiques, VIH, dépistage, traitement, VIH, IST, soutien psychosocial, la prise en charge des violences. Et depuis 2015, MARPI a également étendu son paquet de soins en incluant les soins proctologiques pour le dépistage et le traitement des condylomes anaux suite à des formations dispensées par Médecins du Monde. J'ai presque fini. Alors, sur les avancées et les résultats du projet, je ne vais pas trop longuement m'attarder sur cette diapositive, peut-être insister sur un ou deux chiffres. Déjà, le nombre de consultations, donc on a une soixantaine de consultations par jour, ce qui est pas mal vu le contexte et ce qui illustre le fait que l'offre proposée par MARPI répond à une demande réelle sur le terrain. Autre élément intéressant à retenir, c'est que les soins proctologiques qui ont été introduits maintenant il y a 2 ans ont constitué un point d'entrée dans le parcours de soins pour un nombre important de jeunes gays et de jeunes hommes bisexuels pour qui c'était la première fois qu'ils venaient chez MARPI pour des problèmes de condylome, mais cela leur a permis ensuite d'intégrer tout l'offre de soins, tout le service de soins proposé par MARPI.
Alors, en conclusion, bien préciser voilà, que le modèle développé par Marpi a su faire ses preuves. Certes, dans l'environnement urbain de Kampala, qui peut apparaître un petit peu plus favorable que la province, mais néanmoins, le modèle tend à prouver la faisabilité de l'intégration de services de santé dédiés aux personnes LGBT dans un hôpital public, autrement dit, au sein même du service national de santé ougandais. Donc cela ouvre des perspectives pour l'avenir, notamment en termes de renforcement et de développement de nouveaux services. Nous pensons notamment à la PrEP et également des perspectives avec une mise à l'échelle qui est en train de se mettre en place dans 3 hôpitaux régionaux, Goulou, Mbale, Mbarara, qui reposera davantage sur le personnel hospitalier et peut-être moins sur le personnel de Marpi et qui devra composer également avec des dynamiques communautaires très différentes puisqu'il y a moins d'associations communautaires en province, les distances sont plus longues à parcourir, les moyens de communication sont différents et donc nous devrons prendre en considération ces dynamiques communautaires très différentes si nous voulons que la mise à l'échelle soit une réussite. Et j'en termine avec les principaux enjeux que nous avons pu identifier. Tout d'abord, la sécurisation et la sûreté des données médicales, notamment dans la perspective de la mise à l'échelle. La question de l'accès à certains groupes qui reste difficile, je pense notamment aux réfugiés LGBT de la RDC présents à Kampala. Gros enjeu sur l'identification au niveau communautaire des cas de violences physiques et sexuelles pour une prise en charge plus effective. Et enfin, le renforcement organisationnel des associations communautaires et également la formation et la promotion des leaders LGBT. Voilà, j'en ai fini. Je tiens à remercier mes deux collègues François Berdougo et Nicolas Luman qui sont là aujourd'hui pour leur soutien sur ce projet et remercier également Michel Meyetta qui n'a pas pu être là, qui est un appui important sur ce projet. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Claudia Fournier, qui est doctorante en santé communautaire à l'Université Laval-Québec au Canada, qui a bien du courage d'être venue jusqu'ici, qui j'espère n'est pas trop en décalage, et qui représente toute une équipe, en fait, donc, que vous allez nous présenter pour parler des expériences post-migratoires d'immigrants gays et lesbiennes, une recension des écrits intégratives. Voilà. Est-ce que je peux avoir le petit... Oui, voilà, le petit ça passe, ça arrive. Merci. Et bonjour à tous, merci de m'accueillir ici dans votre magnifique ville. Donc oui, moi c'est Claudia Fournier et en fait mon équipe c'est ma directrice de thèse qui est Louise Amelin Brabant, ma co-directrice Sophie Dupéré et je collabore aussi avec Lynn Chamberlain qui est titulaire de la chaire de recherche sur l'homophobie à l'Université du Québec à Montréal. Moi, aujourd'hui, je vous parle d'une recension des écrits intégratifs sur les expériences post-migratoires d'immigrants gays et lesbiennes. Je sais que j'aborde un sujet qui est sensible, voire doublement sensible. Je suis consciente que le vocabulaire qui est utilisé au Québec, en Amérique du Nord, et le vocabulaire utilisé en France n'est pas toujours le même. Donc, je m'excuse. J'essaie de m'adapter, mais je m'excuse d'avance si jamais j'échappe un petit mot qui n'est pas adéquat ici. Et n'hésitez pas à m'en faire mention si c'est le cas. Donc, l'immigration et la diversité culturelle qu'elle génère sont aujourd'hui incontournables, y compris dans le champ LGBT. En fait, on tend à traiter les questions qui sont relatives à l'immigration et les questions relatives au champ LGBT comme étant deux choses distinctes, mais en fait, il existe des personnes qui sont à la fois gays ou lesbiennes et immigrantes. Il y a un nombre grandissant de gays et de lesbiennes qui migrent surtout vers les sociétés occidentales qui espèrent trouver un meilleur climat socioculturel, politique, sécuritaire qui leur permette d'améliorer leurs conditions de vie. La situation de l'homosexualité dans le monde est très variable et elle se polarise aussi. Rapidement, on sait que sur le plan légal, les rapports homosexuels entre adultes consentants sont criminalisés dans 77 pays, dont l'Ouganda, principalement en fait en Afrique et en Asie. La sentence peut aller de quelques mois d'emprisonnement jusqu'à la prison à vie, dans certains cas, la peine de mort. Dans les dernières décennies, il y a plusieurs pays, surtout occidentaux, qui ont décriminalisé l'homosexualité et qui reconnaissent même le mariage entre personnes de même sexe, etc. Toutefois, sur le plan social, même si l'homosexualité est décriminalisée dans plusieurs pays, bien, les normes sociales peuvent rester quand même discriminantes envers ces personnes-là. Donc, ils peuvent devoir cacher leur homosexualité pour éviter de se faire rejeter par leur famille, par leur communauté, peuvent parfois carrément être persécutés. Donc, dans un contexte où des personnes gays quittent un pays où l'homosexualité n'est pas tolérée pour aller vers des sociétés occidentales où il y a généralement des meilleures conditions de vie et une plus grande acceptation sociale de l'homosexualité,
On peut être porté à penser que ces personnes suivent une trajectoire de l'oppression vers la libération. On va voir dans cette présentation que c'est plus ou moins le cas. En fait, être gay se vit différemment d'un pays à l'autre et la transition entre ces deux milieux-là se traduit par divers enjeux, notamment au plan financier, social, identitaire, sanitaire. Ils doivent donc s'adapter à une nouvelle société où ils sont doublement minorisés et on peut se demander comment composent-ils leur quotidien. Le but de ma présentation est de présenter les résultats d'une recension des écrits intégratifs sur les expériences post-migratoires d'immigrants gays et lesbiennes. C'est une recension des écrits que j'ai réalisée dans le cadre de mon projet de thèse que je mène sur le bien-être d'hommes immigrants gays au Québec. Dans un premier temps, je vais vous décrire brièvement la méthodologie que j'ai utilisée pour réaliser la recension des écrits et ensuite les 5 grandes thématiques qui sont ressorties de la littérature. Et on termine avec une petite conclusion. Alors, on a réalisé une recension des écrits intégrative afin de dresser un portrait global et cohérent des connaissances sur notre objet d'étude, en tenant compte d'études qui ont recours à différents types de devis méthodologiques et qui abordent des thématiques variées. Donc, on a fait la recherche dans 9 bases de données en santé et en sciences sociales. Les critères d'inclusion, ça devait être des études empiriques qui sont reliées aux expériences post-migratoires d'immigrants gays et lesbiennes. Ça devait être sous forme d'articles, de rapports de recherche, de thèses et de mémoires scientifiques publiés entre 2004 et 2016. Ça devait être rédigé en français ou en anglais. Et j'ai exclu les publications qui abordaient les réalités spécifiques d'immigrants de deuxième génération, de réfugiés, de demandeurs d'asile, d'activistes, de personnes genderqueer et trans, pour aller cibler plus particulièrement les expériences des gays et lesbiennes issus de l'immigration dite volontaire. Les résultats des études retenues ont été soumis à une analyse thématique de contenu inductive, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun thème qui avait été défini au préalable. Donc, le corpus a été examiné de façon à identifier les différents thèmes et sous-thèmes qui émergeaient de la littérature. Au final, on a retenu 24 publications. Elles étaient toutes américaines ou canadiennes et elles étaient menées auprès de populations majoritairement non occidentales, surtout issues de l'Amérique latine. Elles étaient majoritairement qualitatives. Les résultats montrent que, dans certains cas, les immigrants gays et lesbiennes non occidentaux peuvent effectivement gagner une certaine sécurité, une certaine liberté lorsqu'ils immigrent dans un pays occidental. Toutefois, la littérature met surtout en lumière les différents défis qu'ils rencontrent dans leur société d'accueil. Le premier aspect qui est ressorti de la littérature, c'est la situation délicate dans laquelle ils se trouvent pour révéler leur orientation sexuelle. En fait, dans le monde occidental, comme on en a déjà parlé un peu, on s'attend à ce qu'une personne qui découvre qu'elle est gay fasse son coming out. On s'attend à ce qu'elle dise qu'elle sorte du placard, en fait, auprès de son entourage. Sinon, on peut considérer ça suspect. On peut considérer qu'elle vit dans le placard ou qu'elle a internalisé de l'homophobie. Par contre, dans le monde non occidental, de façon générale, l'homosexualité est moins tolérée, donc ça devient un sujet tabou. On comprend que dans le cas des immigrants non occidentaux, c'est souvent très délicat, voire même dangereux, de révéler son homosexualité à ses proches. Ils risquent de briser des liens avec des membres de leur communauté ethno-culturelle qui sont avec eux dans leur pays d'accueil ou avec leur famille. Pour ceux qui dépendent financièrement de leur famille, c'est encore plus risqué. Donc, en ce sens-là, ils doivent souvent recourir à diverses stratégies de silence, de contournement pour protéger les différents liens sociaux et, dans certains cas, leurs revenus. Il y a également quelques auteurs qui remettent en question la notion dichotomique du placard, donc soit vivre dans le placard ou vivre hors du placard. On dit que les immigrants gays et lesbiennes, ils ne seraient pas nécessairement dans une posture dichotomique, c'est-à-dire cachée ou ouvertement gay. Par exemple, ils peuvent révéler leur orientation sexuelle à certaines personnes, mais pas à d'autres. Ou encore, il arrive que leur orientation sexuelle soit tacitement acceptée, mais jamais nommée comme telle. Donc, dans plusieurs cas, l'immigrant sait que ses proches connaissent son orientation sexuelle, ses proches le connaissent, mais c'est jamais abordé directement de front, c'est jamais nommé. Le deuxième aspect qui a été beaucoup documenté est la discrimination raciste et homophobe qu'ils peuvent subir étant donné leur appartenance à au moins 2 groupes minoritaires, soit les minorités sexuelles d'une part et les minorités ethno-culturelles d'autre part. Parfois, c'est l'homophobie dans leur pays d'origine qui les a poussés à migrer vers un autre pays, mais ils peuvent quand même vivre de l'homophobie dans leur pays d'accueil, peut-être sous des formes plus subtiles que dans leur pays d'origine. Et souvent, l'homophobie peut venir de leurs compatriotes qui sont ici avec eux.
Comme tout immigrant, évidemment, ils peuvent être discriminés pour leur couleur de peau, pour leur origine ethnoculturelle, pour leur langue, leur religion, etc. Il y a aussi certains auteurs qui se sont intéressés plus particulièrement au racisme sexuel vécu par les hommes gays. Donc, le racisme sexuel se décline en trois axes. Premièrement, le rejet sur la base de l'origine ethnique. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit « tu es gentil, mais malheureusement, moi, je ne suis pas attiré par les Noirs ». C'est quelque chose qu'on voit souvent sur les applications de rencontres gays. Les gens vont mettre, par exemple, « no Asian, no Black ». Il y a aussi les stéréotypes. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit « ah, je pensais que tous les Arabes étaient dominants, virils, toi, t'es pas comme ça, c'est décevant ». Et enfin, les fétiches. Donc, quelqu'un qui est attiré juste pour la couleur de peau de quelqu'un. Donc, il va mettre de côté sa personnalité. Il est juste attiré par l'origine ethnoculturelle, par la couleur de peau. Et comme on va voir un peu plus loin, en fait, toutes ces formes de discrimination raciste, homophobe, peuvent se répercuter évidemment sur leur estime de soi, sur leur santé et plus largement sur leur intégration à la communauté d'accueil et à la communauté LGBT. Ensuite, la littérature montre les barrières socio-économiques auxquelles ils font face. Donc, d'abord en tant qu'immigrant, puis en tant que gay ou lesbienne. Donc, en tant qu'immigrant, évidemment, la discrimination raciste à l'emploi, la déqualification professionnelle, un manque d'expérience de travail local qui les empêche de se trouver un emploi, et la difficulté de travailler et de s'établir légalement, donc selon le statut d'immigration, selon est-ce qu'ils sont à jour avec leur démarche d'immigration, etc. Et aussi, en tant que gay ou lesbienne, donc ils peuvent vivre de la discrimination, cette fois-ci homophobe, à l'emploi. Parfois, ils ne peuvent pas être, ou ça peut être difficile d'être parrainé par un conjoint de même sexe, surtout dans les États qui ne reconnaissent pas le mariage entre conjoints de même sexe. Et, comme j'ai dit précédemment, dans certains cas, ils risquent de perdre le soutien financier de leur famille lorsque leur famille n'est pas à l'aise avec leur orientation sexuelle. Donc, un aspect très important qui a beaucoup été étudié dans la littérature et qui semble être au cœur de leur réalité comme immigrants gays ou lesbiennes, c'est à propos des multiples conflits identitaires et d'appartenance sociale qu'ils peuvent vivre. Premièrement, l'homosexualité peut sembler inconciliable avec certaines normes culturelles qui ne sont pas occidentales. Donc, par exemple, ils peuvent avoir grandi dans un contexte où l'homosexualité est considérée comme une affaire de blanc, comme une maladie de blanc, comme quelque chose qui n'existe pas. Donc, ils peuvent sentir qu'ils ne cadrent pas tout à fait avec les normes culturelles dans lesquelles ils ont grandi. C'est un peu la même problématique parfois avec leur univers religieux, qui peut sembler aussi incompatible avec leur homosexualité. Donc, ils peuvent se sentir inadéquats, ils peuvent sentir qu'ils font quelque chose de mal, qu'ils font quelque chose de péché. Parfois, ils peuvent s'empêcher de fréquenter l'église ou la mosquée juste pour éviter de rencontrer leurs confrères religieux qui peuvent les juger, qui peuvent les rejeter, etc. Ensuite, le fait d'être gay peut également créer certaines ruptures sociales avec les membres de la famille, mais aussi avec les membres de leur communauté ethnoculturelle. Leur sentiment d'appartenance envers eux peut être assez ambivalent parce que d'un côté, bien, c'est leur monde, c'est leur communauté, c'est leur univers, mais d'un autre côté, ils risquent de se faire rejeter parce qu'ils sont gays. Ensuite, la communauté gay, en fait, ça a été étudié surtout dans le contexte nord-américain, donc je dirais la communauté gay nord-américaine, semble aussi jouer un rôle paradoxal. D'un côté, c'est une communauté qui se présente comme ouverte, accueillante, qui prône la diversité et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est un espace qui est assez normé, où est-ce que c'est important de se conformer au risque d'être rejeté. On valorise l'image d'un jeune homme qui est blanc, qui est athée, qui est dans la classe moyenne, qui vit hors du placard. Mais c'est un modèle dans lequel les immigrants gays, lesbiennes, cadrent généralement pas. On y véhicule aussi un discours selon lequel les pays non occidentaux, ils sont mauvais parce qu'ils sont homophobes, ils sont religieux, opprimants, rétrogrades, etc. Donc, ça place les immigrants gays dans une espèce de conflit de loyauté où c'est mal vu de s'identifier à sa communauté culturelle ou religieuse. Donc, bref, il y a souvent cette tension entre les normes et les attentes de ces différentes sphères-là. Donc, pour essayer d'accommoder tout ça, ils doivent déployer plusieurs stratégies. Donc, soit pour se sentir confortables intérieurement avec leur orientation sexuelle et avec les différentes normes auxquelles ils sont soumis, soit pour essayer de gérer les différentes appartenances sociales. Par exemple, ils peuvent sélectionner les aspects de leur culture d'origine ou de leur religion qui leur correspondent, laisser de côté d'autres aspects qui ne leur correspondent pas. Ils peuvent éviter d'aborder certains sujets avec certaines personnes. Ils peuvent s'éloigner de réseaux sociaux qui sont discriminatoires au profit d'espaces qui sont plus sécuritaires pour eux. Ils peuvent aussi tenter de redéfinir leur rapport à la foi pour atténuer certaines tensions intérieures ou certaines tensions interpersonnelles.
Dans ce sens-là, il y a aussi le soutien de certaines ressources communautaires LGBT qui sont destinées aux personnes de leur communauté ethnoculturelle qui peut bénéficier à leur cheminement. Au Québec, on a par exemple l'organisme Arc-en-Ciel d'Afrique qui vient en aide aux personnes issues des communautés afro-caribéennes. Et on a aussi l'organisme Helem qui œuvre auprès des personnes libanaises et arabophones. Donc, c'est des organismes qui permettent aux personnes qui les fréquentent, par exemple, de briser le silence, de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'eux. Souvent, ils n'en avaient jamais rencontré. Ils peuvent aussi, par exemple, leur donner des conseils sur la façon de faire leur coming out ou non auprès de leur entourage, etc. Enfin, la littérature montre qu'ils font face à plusieurs défis au plan de la santé mentale et sexuelle. Donc déjà, ils sont confrontés à plusieurs sources de stress qui se répercutent sur leur santé. Je ne l'ai pas noté ici, mais évidemment, le stress toujours de devoir, est-ce que je dévoile ou non mon orientation sexuelle, la discrimination qu'ils peuvent vivre, les différentes difficultés financières qu'ils peuvent vivre, parfois aussi la difficulté de rester légalement au pays avec leur partenaire de même sexe, toujours dépendamment où est-ce qu'ils en sont dans leur démarche, dans leur papier. Ils peuvent aussi adopter des comportements sexuels à risque. En fait, souvent en quittant un pays où les relations homosexuelles sont mal considérées ou même punies, pour aller vers un pays qui est plus ouvert par rapport à ça, ils se retrouvent à explorer soudainement une nouvelle liberté sexuelle. En plus, dans le milieu gay nord-américain, ben, ils se retrouvent dans un contexte où c'est valorisé d'avoir un grand nombre de relations sexuelles avec un grand nombre de partenaires différents. Donc, et aussi, parfois, ils n'ont pas nécessairement reçu l'éducation sexuelle adéquate dans leur pays d'origine. Donc, ils n'ont pas nécessairement le bagage nécessaire pour gérer tout ça, pour bien comprendre les risques liés aux différentes pratiques sexuelles. Aussi, la discrimination raciste et homophobe, ainsi que l'isolement social et la marginalisation qu'ils peuvent vivre, peut induire certains symptômes dépressifs qui les amènent, en fait, à moins prendre soin d'eux. Donc, par exemple, ils peuvent avoir l'impression que ça ne vaut pas la peine de se protéger parce que, de toute façon, ils sentent déjà mal. Ils ont déjà l'impression qu'ils n'ont plus rien à perdre. Donc, à quoi bon se protéger? Enfin, ils font face à certaines barrières dans l'accès à des services socio-sanitaires de qualité. Premièrement, le manque d'expérience culturellement adaptée de la part du personnel. Certaines barrières de langue. Le manque d'assurance médicale, parfois, surtout pour les personnes dont la situation d'immigration n'est pas régularisée. Et la discrimination du personnel, donc évidemment homophobe, mais aussi raciste. Il y a certains constats globaux qui se dégagent de cette revue littérature-là. En fait, il y a certains aspects de leur réalité dans leur pays d'accueil qui sont documentés. Donc, la littérature parle surtout des nombreux défis et contraintes auxquels ils font face. Elle parle un peu aussi des stratégies pour gérer les différents conflits d'identité et d'appartenance. Par contre, il n'y a aucune étude qui est faite sur leur bien-être subjectif. Donc, on ne sait pas à quel point ils peuvent être heureux, satisfaits de leur vie dans leur pays d'accueil. Donc, aujourd'hui, on se questionne à savoir, peut-on être en santé dans une société hétéronormée? Mais moi, en fait, je me demande à quel point on peut être heureux, à quel point on peut être bien en refaisant sa vie dans une société où on est doublement minorisé. Et je n'ai pas pu trouver de réponse à ça dans la littérature, et c'est un peu ce qui a inspiré mon projet de thèse. Et je vous présente très rapidement les objectifs de mon projet de thèse, pour ceux que ça intéresse. Mon objectif général, c'est de comprendre comment l'expérience d'immigrants gays vivant au Québec se traduit en matière de bien-être. J'ai trois objectifs spécifiques, donc cerner la réalité d'immigrants gays à travers leur vie quotidienne au Québec, identifier les éléments qui, selon leur point de vue, favorisent ou entravent leur bien-être, identifier les stratégies qu'ils déploient en vue de favoriser leur bien-être et, finalement, dégager les possibilités et les contraintes de leur bien-être. En conclusion, rappelons que l'immigration de gays et de lesbiennes entraîne certaines implications pour les sociétés d'accueil qui reçoivent ces populations. Dans une optique de justice sociale, d'inclusion, de respect de la diversité sexuelle et culturelle, il est important de tenir compte des particularités de ces personnes immigrantes afin de favoriser l'intégration, la santé, le bien-être de toutes les personnes gays et ce, sans négliger celles qui viennent d'ailleurs. C'est ce que j'espère réaliser un peu dans mon projet de thèse. Et voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça a été un grand plaisir de présenter ici. Les références. Donc, tout le monde a très bien respecté les délais, ce qui est formidable. Mais comme une de nos intervenantes est partie, cela nous laisse encore plus de temps pour les questions et les réponses. Donc, s'il y a des choses sur lesquelles vous vous sentez frustré de ne pas avoir pu expliquer plus avant, peut-être des questions pour vous permettre d'apporter quelques précisions. Donc, alors là, je crois qu'on a déjà eu une demande de...
Alors, celle-là d'abord, puis cette personne-ci. Voilà. Bonjour. C'était pour savoir si vous aviez des données ou des chiffres sur, du coup, comment on pourrait être en bonne santé physique ou mentale dans une société hétéronormée, sérophobe et cis-centrée. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas parlé du tout des personnes trans. Oui. Pour autant, il y a des personnes trans qui sont gays, qui sont lesbiennes. Tout comme il y a des personnes trans qui sont aussi dans des populations migrantes. Voilà. Alors, je ne sais pas si on prend peut-être deux, trois interventions avant de passer la parole en réponse. Oui, puisqu'on a une deuxième. Oui, Michael Bocho de Berlin. Une question à M. Post-Freud. J'ai trouvé vos idées très intéressantes. Je suis sociologue, mais intéressé vraiment aussi dans la psychanalyse. Comment est l'état actuel de la formation des psychanalystes en France? Est-ce que vos idées entrent là-dedans ou c'est encore une forteresse qui défend toutes vos idées, qui ne laisse pas entrer, imperméable? Courage, c'est un sport de combat. Et ça va être aussi un sport de combat ici. Allez-y, prenez des forces. Alors... Peut-être. On a aussi une. On m'a dit. Non, on passe directement. On avait une autre question. Oui. Oui. J'ai un groupe de questions. Oui, parce que là, on a eu la. On avait une première question. Oui, bonjour, Vincent Victoria de Because. Je ne vais pas parler de la contribution, elle est sur la table, hein, sur santé, mieux-être, estime de soi. Mais trois questions. Quand on dit ou quand on entend dire la bisexualité n'existe pas, entre parenthèses, la pansexualité existe encore moins que ce qui n'existe pas, et que parfois c'est des professionnels de santé qui le disent, quel effet ça peut avoir et sur la personne et peut-être plus largement en tant que problème social? Quand on entend dire les bis sont volages, ils sautent sur tout ce qui bouge, est-ce que c'est une stigmatisation? J'aurais tendance à dire oui. Est-ce que c'est une réalité? Comment se situer par rapport à ça? Un archétype a été un petit peu donné ou entre-dessiné à ce niveau-là. Et une dernière chose, c'est que si on répond non à la question précédente, parce que ce n'est pas une question d'orientation sexuelle, est-ce que pour autant... il ne faut pas se poser le problème d'intervention spécifique à effectuer. Par exemple, c'est un des exemples sur des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, mais qui pour autant ne se définissent pas comme gays. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des zones d'ombre, des zones grises dans les réseaux libertins, etc., où il faut avoir des techniques de prévention différentes? Merci. Alors, comme on a, pour l'instant, je ne vois pas d'autres interventions tout de suite. On a trois questions. En rythme indo-européen, c'est parfait. Donc, on va peut-être passer la parole à nos intervenants s'ils souhaitent répondre. Donc, sur la question, les questions concernent grosso modo les questions relatives aux personnes trans en général, dans toute leur diversité, et ce qu'on peut en dire par rapport aux données que nous avons et par rapport... Et par rapport à la santé, la question de la formation par rapport aux psychanalystes et j'imagine à tous les psychothérapeutes en France, et l'effet du déni de la bisexualité et des représentations sur la bisexualité par rapport aux problématiques que nous avons évoquées et comment ça peut s'articuler aux autres axes qui ont été détaillés. Donc, quelqu'un souhaite commencer une réponse? Est-ce qu'on fait une passe facile sur la question de la formation des psys? Donc effectivement, la question de la formation des psychanalystes relève du sport de combat. Il y a l'Encyclopédie du genre qui a récemment publié c'est un très beau livre, cette Encyclopédie du genre qui était récemment publié, où il y a effectivement une entrée sur la question de la psychanalyse qui est rédigée par deux auteurs américains qui montrent qu'il y a quand même une véritable ouverture du côté aussi des thérapeutes à essayer de repenser un peu leur concept.
Ça se passe, c'est un texte traduit, ça se passe aux États-Unis. Concernant la France, on a quand même un petit peu d'espoir, puisqu'il y a quand même quelqu'un comme Laurie Loffer, pour ne pas la citer, qui enseigne à Paris 7 et qui mène un travail depuis maintenant quelques années avec Tammy Ayouch, avec d'autres personnes, de réflexion sur les liens entre théorie du genre et psychanalyse. Ça reste l'université. On sait que Freud ne voulait pas que la formation advienne à l'université. Reste donc la question de la psychanalyse dans ces bastions un peu étranges que sont ces drôles de congrégations, ces petits groupuscules extrêmement à la fois vivants et éthiques, parce que quand même la plupart des gens qui travaillent dans le champ de la psychanalyse, contrairement à ce que certaines personnes peuvent déclarer dans les médias et les prises de position très fortes que certains psychanalystes peuvent prendre dans les médias, la plupart de ces gens sont quand même plutôt animés d'une véritable éthique et d'un souci de recevoir des sujets. Ceci dit, d'entendre la singularité de chaque sujet qu'ils rencontrent, ceci dit, effectivement, dans les écoles, en tout cas que moi j'ai pu croiser, ça reste une question qui commence à bouger. On sent qu'il y a des gens qui essayent de, effectivement, lire les théories du genre, effectivement, expliquer que Freud n'est peut-être pas si opposé aux avancées LGBTQ, et qu'au contraire, c'est parce qu'il y a eu Freud qu'il y a peut-être pu y avoir aussi une réflexion qui a pu se faire de ce côté-là. Reste encore un long travail que je souhaite mener de dialogue et de réflexion et de formation sur le long terme. Voilà. Est-ce que je peux faire une remarque ? J'ai beaucoup aimé votre intervention, et ça m'a fait penser, puisque vous parlez d'éthique, aux travaux de Paul Ricoeur, dont vous savez que non seulement il s'est rapproché aussi de l'analyse à un certain moment, bien sûr, dans son parcours, il a été aux États-Unis, à Chicago, il a beaucoup travaillé avec les sciences humaines et sociales. Et en quelque sorte, moi, ce que je remarque de votre résumé et qui transparaît tout à fait dans ce que vous êtes en train de présenter, c'est l'ouverture de la clinique à la diversité. Et ça, je crois que ça dépasse même, je dirais, notre réunion là. C'est vrai que nous devons changer totalement les mentalités. Et j'interpellerai là celui qui demain vous fera la leçon d'éthique, en quelque sorte, Didier Sicard. Nous étions en train de discuter avec lui. Et à la lumière, en définitive, de votre intervention à tous, là, ici, je me posais deux questions. La première question, nous sommes dans le cadre de l'anthropologie. C'est-à-dire comment se construit une personne, ça a été dit tout à l'heure pour l'autre question. C'est-à-dire comment nous la définissons elle-même, comment celle-ci se fait, que ce soit au niveau singulier, etc. Et deuxièmement, il y a une anthropologie sociale. Et donc ces deux éléments sont des éléments qui m'apparaissent extraordinairement à poser, bien sûr à travers, je dirais presque, les revendications et tout ce qui est actuellement bien montré comme stigmatisation, comme de normes qui enfreindraient même la question de la personne elle-même, comment en définitive, nous avons totalement à y travailler à ce niveau-là, et vous êtes un modèle en quelque sorte, et puisqu'on parle, pas vous, c'est-à-dire nous tous, par rapport à ce colloque tel qu'il est, nous avons une entrée très importante sur cette clinique de la diversité, puisqu'on reprochait tout à l'heure que certains médecins, et c'est scandaleux, refusent des soins, ou soient les premiers à stigmatiser, alors que ce soit Hippocrate, Maïmonide, tout ce que l'on veut, etc., disent exactement le contraire. Donc là, on a un problème des mentalités, d'anthropologie, à poser ce problème. Mais où se trouve-t-il autant dans l'éducation de tous les jours? Où se trouve-t-il même en médecine? Ça, ce sont des questions qui m'apparaissent très, très importantes. Et la résultante, parce qu'elles ne sont pas posées comme il le faudrait, eh bien, nous en arrivons aux effets qui sont la stigmatisation, la racialisation, le problème. Enfin, voilà, excusez-moi, c'était la simple intervention d'un éthicien, du moins, qui essayait de l'être. Deuxième question. Alors, les autres questions sont... Sur la question de la santé des personnes trans, je ne sais pas si quelqu'un a des données spécifiques sur les personnes trans issues de leurs travaux. Je sais qu'il y a très peu de travaux qui existent. Il me semble qu'il y a eu une enquête trans en 2007, quelque chose comme ça, de l'INVS, mais qu'il existe assez peu de données, finalement, notamment dans un contexte français. Je crois qu'on va en entendre parler spécifiquement demain aussi.
avec un retour d'expérience sur un réseau de santé trans. Mais je ne suis pas sûre qu'à l'intérieur de ce panel, nous ayons des spécialistes qui soient en mesure d'en parler. Mais effectivement, les aspects liés aux discriminations sont très présents. L'emprise de cet aspect-là est évidemment centrale. Oui. C'est dommage qu'il n'y ait donc aucune donnée, d'autant qu'on a déjà commencé à parler de discrimination croisée. Et oui. Dans n'importe quel espace LGBT de moyenne ou grande importance, il y a des personnes trans qui sont gays et qui sont lesbiennes. Si, par souci d'efficacité dans vos études universitaires, vous décidez de squeezer ces personnes qui sont doublement discriminées, c'est quand même dommage parce qu'elles existent. Tout à fait. Et même les assos de santé communautaire ou même de santé, ne serait-ce que sur le travail du sexe ou sur le VIH, n'ont aucune donnée sur ces personnes-là. Absolument. Après, c'est aussi le reflet d'une réalité existante de difficulté à trouver des intervenants, étant donné le faible nombre de recherches menées et financées actuellement sur ces questions-là. Et vous avez tout à fait raison de souligner que cet aspect-là doit être plus inclus et que c'est un aspect qui doit être développé davantage. On est tous d'accord, je pense. Du coup, en tant que femme trans, bisexuelle, ancienne travailleuse du sexe, et là, je milite pour ACT UP, je me sens invisible. D'accord. Alors, je crois qu'il y a peut-être une réponse du côté de Médecins du Monde. Oui, peut-être pas une réponse très complète, mais peut-être préciser pour l'Ouganda sur la vingtaine d'associations avec lesquelles Marpi et Médecins du Monde travaillent. Il y a deux associations de trans, COPTEC et Trans Equality Uganda. Donc il y a des patients trans dans la file active de Marpi, bon, des patients sur des soins VIH ou IST. Donc c'est vrai que Marpi n'accompagne pas ces trans dans leur parcours transitionnel, parce que Marpi n'en a pas les moyens, n'en a pas l'expertise, parce que c'est par ailleurs très compliqué, voire impossible en Ouganda de rentrer dans cette démarche, et qu'il y a pas mal de trans parmi avec lesquels nous sommes en contact qui envisagent de quitter l'Ouganda pour ces raisons, notamment certains se rendent à Nairobi, où apparemment c'est peut-être un petit peu plus facile d'envisager ce parcours, mais c'est clair qu'en termes de stigmatisation, la communauté trans est vraiment dans le haut du panier, y compris en Ouganda. Et je rajoute du coup que les femmes trans généralement sont comprises dans les études comme étant des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. C'est sûr ça. Ce qui est aussi une discrimination. Je l'ai très brièvement signalé, et je n'ai pas préparé de données parce que ce n'était pas mon mandat sur la santé des trans. Simplement, c'est connu, mais je pense que vous le savez aussi, qu'effectivement, en termes de discrimination, de violence, y compris dans les pays occidentaux, c'est les premières victimes de la communauté. La plupart des discriminations sont lues sur l'expression de genre. Hein, donc, c'est effectivement, les personnes trans sont dedans. Et quand les études sur le suicide aussi, il existerait... À mon avis, en Suisse, il n'y a pas d'études spécifiques. Hein, c'est aussi une question du nombre de populations, mais il existe quand même passablement d'études maintenant, en tout cas aux États-Unis. Donc, des données existent aux États-Unis, je ne sais pas, au Canada, en Europe, à ma connaissance, pas vraiment. Mais dans le cadre, par exemple, nous, de la formation qu'on fait des volontaires qui interviennent dans les écoles, il y a des personnes trans qui viennent et qui apportent ces données sur l'impact de la transphobie sur la santé des personnes trans. Ouais. Donc, il en existe. Ouais. Alors, François Bergogo, vous voulez rajouter quelque chose sur cette question en particulier ? C'est ça, c'est une remarque, c'est pas vraiment une réponse, mais pour dire qu'il y a eu deux travaux essentiellement faits, à ma connaissance, dans les 10 dernières années en France, une enquête coordonnée par France Lert, ici présente, et une autre par Alain Giammi et Emmanuel Bobassi, alors qui ne portaient pas sur les questions de santé psychique, etc., mais qui sont un peu les premières données qu'on a, qui ont été publiées dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Et une autre remarque, c'est pas lié à l'hétéronormativité ou à la sérophobie, mais dès lors que les questions de transidentité sont prises à travers un prisme pathologisant et de maladie mentale, évidemment, de mon point de vue, en tout cas, inévitablement, ça constitue un stigmate qui va être de fait préjudiciable pour les personnes, parce que substantiellement, le prisme de la pathologie, de la psychiatrisation, est celui à partir duquel on voit les gens. Donc à partir de là, ça les situe, et ça situe les professionnels en face, etc. Quoi. Merci. Oui, puis moi je dirais aussi qu'il y a
Il y a deux choses. D'abord, en Suisse aussi, il y a une enquête sur la question des trajectoires LGBTQI menée par Lorena Parini et qui est en train aussi de sortir des résultats tout à fait intéressants. Moi, je pense que toute cette question est à prendre aussi dans un contexte français particulièrement résistant. Mais résistant d'un point de vue, d'abord, on le voit bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le champ des études féministes a disparu au profit d'études dites de genre, mais en fait qui normalisent ces questions-là, à mon sens. Et cette résistance, elle s'appuie aussi sur, au fond, tu disais François, mais un principe quand même de l'hétérosexualité, d'un système de figure de contre-altérité binaire de genre, très très fort, massivement fort. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ces questions ont aussi influencé l'échiquier politique français, quand même. Donc, je pense que, et sur l'appauvrissement de la recherche, que ce soit parce que les lesbiennes et les trans, il y a vraiment il y a quelque chose de très, très proche en termes de marginalisation de ces études. Et une différence que j'observe depuis quelque temps, c'est que alors, les lesbiennes, elles continuent de rester quand même très, très marginalisées, que ça coûte cher de travailler sur ces sujets, parce que ça précarise en termes, il n'y a pas de financement, sauf ceux liés à la santé publique. Donc effectivement, soit on construit des groupes qui sont liés aux questions de dysfonctionnement de santé, quelle que soit la question. Et en plus, un champ qui est très appauvri, puisque de fait, il n'est pas pérenne, puisque Gabriel le rappelait tout à l'heure, mais on ne recrute pas à partir de ces sujets. Donc non seulement on ne recrute pas, mais en plus on est forcément associé avec, alors c'est pas la question d'en être ou ne pas être, mais cette assimilation objet scientifique et au fond sujet, appauvrit totalement un champ d'études qui révèle de nombreuses résistances, je dirais, académiques. Et le contexte différent par rapport à il y a 30 ans, je trouve, c'est que deux choses, c'est que aujourd'hui il y a des gens qui travaillent sur les questions de genre, qui effectivement ne sont pas, je dirais, membres des diverses communautés et qui, à mon sens, on voit un processus de spoliation de ces sujets par des majoritaires, première chose, et qui m'agace beaucoup. Deuxièmement, et où de fait les minoritaires n'ont pas, qui travaillent et qui ont créé le champ n'ont pas la voix là-dessus. Ça m'énerve beaucoup. et ce qu'on voit apparaître concernant les études sur les trans, ça vous me direz si je me trompe, bon, autant les lesbiennes, en gros c'est les lesbiennes qui travaillent sur ces sujets, bon, elles sont amusantes, on les invite, il n'y a pas beaucoup. Ouais, mais pour les trans, il y a quelque chose, il me semble, une espèce de surgissement d'intérêt comme une forme d'exotisation aussi, d'un décor du genre qui rentre aussi dans une logique au fond très hétérosociale. Voilà. Eh bien, je pense que c'est... je crois que sur ce feu d'artifice, nous avons fait le tour du panel sur cette question. Il y avait une question également sur le déni de la bisexualité et les représentations liées à la bisexualité qui affectent aussi bien les praticiens que les personnes qui sont dans la société en général, donc les personnes qui en sont victimes et les autres, et qui du coup créent qui peuvent avoir des impacts. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a un éclairage particulier là-dessus, ou a pu aborder cette question de manière spécifique, peut-être Natacha, je ne sais pas si... Moi, je ne suis pas avec les praticiens, donc... Ouais, c'est sûr. Non, je n'ai pas écrit là tout de suite. Sur là, le non. Vécu des... Non. Des... Le vécu, par exemple, des femmes bi par rapport à leur expérience. Moi, je n'ai pas travaillé vraiment sur... Ouais. Ça serait vraiment prétentieux de ma part de dire... de répondre. Ce que j'ai pu voir à travers cette enquête, c'est que de nombreuses femmes ont répondu sur l'énoncé femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes et qui avaient des pratiques diversifiées qui n'étaient pas forcément des pratiques lesbiennes exclusives. Voilà. Et qu'effectivement, dans le rapport aux soins, ça donne d'autres types de déclaratifs. Et ce qui pouvait être sanctionné du côté d'une diversité de partenaires était chez les autres mis sous silence par défaut d'énonciation. Voilà. Mais je peux pas. Voilà, je serais bien prétentieuse de dire. Alors, je sais pas si. Alors, pour le coup, je pense que le travail, il y a toute une enquête qui est en cours sur Vincent Victoria, éventuellement, si tu veux préciser. Il y a déjà eu un premier travail qui a été fait par plusieurs associations, donc notamment Because et SOS Homophobie, autour de la bisexualité.
Et il y a un travail qui est fait en ce moment sur, sur la biphobie plus spécifiquement, je crois. Donc, je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Oui, il y a une première enquête qui a été menée entre septembre et novembre 2012, pour laquelle il y a eu parution du rapport à la Journée internationale de la bisexualité le 23 septembre 2015. Cette enquête a été menée par SOS Homophobie, le MAC Jeunes LGBT, ACT UP Paris et Bicause. Et c'était une enquête plutôt sur les représentations de la bisexualité, y compris une question sur est-ce que vous pensez que les rapports ou l'orientation bisexuelle favorise le VIH, les IST, etc. Il y a eu 6107 réponses, ce qui n'est pas négligeable. La dernière question, c'est est-ce que vous pensez que l'orientation bisexuel et facteur de rejet, de discrimination dans la société. Et en fait, cette neuvième question était une question sur la biphobie, ce qui fait qu'on a rebondi sur un deuxième travail, en incluant d'ailleurs l'association FIER. Donc nous sommes partis à 4, nous continuons à 5, et ça peut peut-être s'accroître aussi. Et pour sortir effectivement une enquête sur toutes les manifestations diverses et dans des lieux et domaines divers, aussi bien la santé d'ailleurs, de ce qui peut être à la fois de la biphobie subie et de la mésestime de soi. C'est délicat de répondre si, enfin, sans ça, Gabriel, tu peux répondre peut-être sur. Ah d'accord. Sur des données, il faudrait des vraies données pour répondre, pas répondre à partir de ce qu'on peut présupposer. Évidemment, on pourrait dire il y a de l'exclusion, mais sur quoi on peut fonder notre propos. Voilà, c'est ça la question. Mais peut-être ça serait bien que vous ouvriez une enquête. Ben, c'est la traiter en tout cas. Voilà. Oui. Gabriel. Voilà. Alors oui, oui c'est sur ce point-là. Non, ok. Non. Alors, il y avait aussi une demande plus au fond qui, je crois, était antérieure. Et donc, ah, et nous en avons une là aussi. Alors, je n'ai pas vu qui était premier. Ok. D'accord. Donc, on m'a dit que ce seront les dernières interventions. Je commence. So, I guess I have to confess a bit of frustration because every bit of research seems to indicate that it's very effective for LGBT people to sort of communicate for ourselves, determine our own autonomy over our bodies, and sort of represent ourselves fully. But so far, it's been mostly cisgender, white European people representing these stories today. And so I feel like we're talking about community. We're talking about representation and diversity, but we're not seeing it in action. And I think it would be fantastic if we had more trans people and more people of color and more young people represented here today to really thoroughly and effectively articulate those issues as opposed to a theoretical exercise on what it means to those communities. Il y avait... Oui. Alors, il y a une question. On fait ça comme ça, c'est bon ? J'avais une question. Oui. Je suis Nicolas Louane, je travaille pour Médecins du Monde, je suis le référent VIH et hépatite virale. J'avais une question pour le collègue suisse. Vous avez montré des données de prévalence de différentes, soi-disant, pathologies. Et j'étais particulièrement intéressé. Il me semble que j'ai vu que même les allergies dans vos enquêtes montraient des taux de 50% ou presque 50% et d'autres pathologies de ce type qui ne rentrent pas dans le champ directement, disons, santé psy ou santé sexuelle. Est-ce que vous pourriez commenter ça, s'il vous plaît ? Oui, c'est une bonne question. La question des allergies, moi, on ne l'a pas vraiment. C'est certainement allergie, il y a du psychosomatique dedans, mais
On n'a pas analysé ça. Moi, je réponds des fois sous forme de boutade par rapport à la prévalence des allergies en disant que c'est vraisemblablement une allergie profonde à la société hétérosexuelle. Mais c'est une forme d'un peu de gag parce que je n'ai pas de réponse plus sérieuse à ça que de vous répondre ça pour l'instant parce que sur les symptômes de santé physique, il y en a certains où on a des hypothèses. La question de l'allergie, c'est une bonne parce qu'on n'a pas vraiment, à ma connaissance, trouvé d'hypothèse de pourquoi les gays souffriraient davantage d'allergies. Comme vous l'avez vu. Hein? Oui, alors peut-être Chen peut-être voudra. Tu vas répondre. Hein? Voilà, très bien. Et en privé, tu veux dire ou tu veux répondre pour tout le monde? En privé, ok. Sur la question, par exemple, il y a une assez haute prévalence des maladies respiratoires. On peut mettre en doute le tabagisme, on peut mettre en cause l'utilisation de poppers, ce qui est très particulier à la communauté homosexuelle masculine. Donc, il y a des hypothèses. Allergie, je crois que je vous laisserai Chen répondre parce que moi, je n'ai pas la réponse. Simon, ma boutade. Alors, il y avait une dernière question qui s'est exprimée en même temps. Voilà. Merci. C'est une question pour Claudia Fournier. Dans la revue littérature que tu présentais, tu parlais de lesbiennes et de gays, mais tu n'as pas beaucoup spécifié finalement ce qui concernait les lesbiennes en particulier. Je me demandais si c'était assez homogène ou si c'était qu'il y avait peu d'études spécifiquement sur les lesbiennes. Et j'aurais une autre question, plus pour la salle, mais en particulier pour les gens de l'INED, je pense qu'il y a des gens de l'INED qui sont là. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire le même genre de recherche que Claudia Fournier fait au Québec, en France, en fait, sur ces enjeux d'immigrants LGBT et les difficultés qu'ils rencontrent en France? La première question pour Claudia. En fait, d'ailleurs, je n'ai trouvé aucune étude en France ou même en Europe. Je pense qu'il y en a, j'en avais vu certaines en Europe par rapport aux trans, pas par rapport au temps, mais par rapport aux LGBT migrants. Mais finalement, ils ne rentraient pas dans mes critères d'inclusion de mes études. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup d'études européennes avec les personnes LGBT migrantes. Par rapport aux études auprès des femmes, en fait, il y en a pas. C'est moi qui fais ça. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Dans les 24-25 études que j'ai retenues, je pense qu'il y en a 3 qui ont été menées seulement auprès de femmes. Puis en fait, c'est les mêmes auteurs, là, je pense, c'est comme 2 auteurs là, qui ont fait les études. Les thématiques qui étaient abordées, c'était surtout, en fait, c'était par rapport beaucoup à l'identité lesbienne. Comment développer une identité lesbienne dans un contexte migratoire. C'est à peu près tout ce qui concernait uniquement les femmes. La plupart des études étaient menées soit auprès d'hommes, soit auprès d'hommes et femmes. Il n'y avait pas grand-chose par rapport aux lesbiennes. Ça manque. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Mathieu n'a pas l'air d'être là, ni Wilfried Roux. Donc, c'est peut-être un sujet qu'on... excuse-moi, Wilfried. Le chef de l'unité... Je ne sais pas si c'est ton unité qui s'occupe de ça, mais enfin... Bonjour. Effectivement, je pense qu'il y a un enjeu important par rapport à la question que tu viens de poser, Gabriel. J'en reparlerai demain, mais moi, je me demande si on n'est pas dans une période où, après avoir pu mener beaucoup de recherches grâce au soutien qu'il y avait autour des recherches sur la santé, si maintenant on n'est pas dans une phase où on doit absolument investir justement d'autres thématiques, en particulier celles sur les migrations. Il y a des recherches qui se développent, des grandes recherches quantitatives sur l'immigration. Et effectivement, c'est notre rôle d'essayer de participer, de s'imposer un peu dans les groupes de conception de ces enquêtes pour faire valoir des indicateurs un petit peu différents qui permettraient de faire des travaux du type de ceux que vous avez présentés. Absolument. Ça suppose une mobilisation assez forte des collègues qui travaillent sur le sujet, et d'aller dans plusieurs directions, on en rediscutera demain, je pense.